Salut les amis, alors voilà, c'est le dernier vlog avant de reprendre d'ici quelques mois. Donc je sors du match là, je travaille au FC Metz. Et donc aujourd'hui je voudrais vous parler de Ibrahim Malouf que je ne connaissais pas, et donc c'est un sujet qu'on m'a demandé d'évoquer, qui est dans le top tendance en plus des recherches. Je me suis dit mais je le connais pas. Et donc pour en revenir à quoi, pourquoi je fais cette vidéo, pour vous dire que en fait c'est un trompettiste très connu maintenant. Bon, moi je le connaissais pas, j'avoue hein. Peut-être manque de culture générale, voilà, ça arrive, mais voilà, maintenant je le connais. C'est ça l'avantage de ne pas connaître un sujet, c'est que tu t'y intéresses. Voilà les amis, donc c'est un trompettiste international maintenant, et tout ça pour vous dire que finalement une clé du succès, c'est de, je vous dis toujours, de passer hors des sentiers. Tu vois là, c'est dimanche, bah voilà quoi, c'est un peu plus calme niveau travail quoi. Il y a un peu moins de monde qui va au travail. Cela dit, travailler intelligemment, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner, notamment sur le FC Metz. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Travailler intelligemment. Et donc ce trompettiste en fait, bah, il se bat depuis son enfant, j'ai vu sa biographie. Ah, la police, tiens. Tiens, vous avez vu, motard. Donc il se bat depuis son enfance et il réussit à percer au final. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a, osé aller sur un domaine qui lui plaît, hein, ça c'est sûr. Mais un domaine sur lequel au début, quand tu commences, on te dit « Ah, c'est impossible, trompettiste, ah ah !» Les gens ils rigolent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est un peu comme si tu faisais... voilà, il y a des... Regardez les motards derrière. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, je vais construire un pont entre la Terre et la Lune. Les gens, ils vont se foutre de ta gueule. Mais sauf que le jour où tu y arrives, bah, on te dit, mais en fait, c'est un génie celui-là. Et voilà, c'est pour vous dire de ne jamais rien lâcher dans la vie. Vous me connaissez maintenant. Et donc... voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Et donc la partie vlog, bon, je me calme un peu sur les vlogs parce que je vous ai dit pourquoi ça ne fonctionne pas autant que je le pensais, mais voilà, j'en tire des leçons et je reviendrai plus fort. Voilà les amis, à bientôt, et puis sortez des sentiers battus surtout. Voilà, je fais attention à moi quand même. Sortez des sentiers battus et ne lâchez jamais dans la vie. Voilà, à bientôt. Regardez, vue du ciel. À bientôt les amis, merci.